Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, bah non, on va pas se déguster la petite bière tout de suite, parce que je vais prendre la voiture, donc boire ou conduire, il faut choisir, et il faut savoir que moi quand je roule, je bois pas une goutte d'alcool, mais je vais vous expliquer vite fait mon petit concept de vidéo, je suis pas très original, je copie un peu l'ami Conquerax. Aujourd'hui j'ai choisi le cash converteur à Moucron, et il se trouvait le jeu vidéo le moins cher qu'il propose, en dehors des jeux de foot et de jeux sport, parce que bah, les FIFA on peut les trouver à 1€, 2€ maximum. Donc je voulais être pas plus original que Conquerax, hein, c'est parce que c'est le même concept de vidéo, mais j'ai fait qu'un magasin, j'ai pas fait tout Paris, j'ai fait le cash converteur de Moucron. Je vais vous filmer quelques petites choses intéressantes que j'ai vues là-bas. Et je vous reprends tout de suite après. Donc je vous laisse avec les petites images. Et on revient à la maison. Et là, on va s'offrir une petite bière, forcément, hein. Et il y a rire et rire. Hein. Allez, à tout de suite au magasin. Bon, voilà les amis, je suis arrivé au cash converteur de Moucron. Il est encore fermé, il ouvre pas avant 10h. Bon, je suis quitte à attendre un petit quart d'heure. Ça, c'est un peu embêtant que les magasins n'ouvrent pas avant 10h. Bon, j'espère que... Voilà, je suis bien au cash converteur. J'installe les derrière parce qu'il pleut, il fait dégueulasse aujourd'hui. Donc je vais attendre son ouverture. Je serai le premier, à mon avis, dans les premiers. On aura le magasin pour nous tout seul, ce qui m'arrange pas mal du tout, je dois vous avouer. Nous sommes de retour à la maison, dans le gros grenier, dans le bar.
Mais maintenant j'ai soif, hein. J'ai fait mon petit tour, j'ai trouvé ce qu'il fallait, donc j'ai trouvé le jeu le moins cher du magasin, je vais dire plus après. Et j'ai fait quelques petites emplettes pour moi, que je vous ai montré dans cette vidéo, tant qu'à faire. La bière, la Trapp Triple, une bière que je connais pas du tout. Je vais vous montrer la petite capsule. Encore toujours une bière hollandaise, une bière de 8 degrés. Et toujours brassée à la brasserie sans flamand, voilà, à mon avis ça va être une très bonne bière parce que j'ai déjà bu la quadruple, elle était vraiment très bonne et celle-là m'a l'air ma foi sympathique. Et voilà, une blonde sympathique, une triple, hein. Il n'y a pas de surprise, elle pétille pas mal, pas beaucoup de mousse malgré tout. Et pour répondre aux gens, non je mets pas mon verre dans le lave-vaisselle, mes verres de bière je les fais à la main parce que sinon ça abîme trop les verres. En attendant, moi je vous dis, santé. Elle est bonne, c'est une bière agréable. Franchement, elle est vraiment très très bonne, j'aime bien. C'est vraiment une très bonne bière, elle est très agréable à la bouche. Pas beaucoup d'amertume, un petit goût fleuri comme ça en fin de bouche. Elle est vraiment pas mal du tout. Voilà les amis, je suis pas revenu des mains vides, j'ai acheté tout ça. Je vais commencer par mes achats et on va terminer par le jeu le moins cher. Alors j'ai posé une colle au vendeur, bah forcément c'est pas des indépendants. La prochaine fois j'essaierai de faire ça dans un plus petit magasin, un indé. Si jamais vous vous connaissez dans la région de Moucron, tournez, dites-le moi en commentaire. Ou si toi, derrière ton écran, tu as un petit magasin à proposer, que tu es indépendant, dis-le moi, je viendrai chercher le jeu le moins cher. Mais pas que, attention, je ne vais pas chercher que le moins cher. Avant de montrer le jeu le moins cher, je vais vous montrer mes petits achats. Un petit chez nous, version Jap, à 15 euros. Voilà, il est complet, en parfait état. Bon, il y en a qui diraient, il n'est pas complet, complet, mais on a quand même la notice. Il n'y a pas le steelbook peut-être, mais bon, 15 balles, ça rentre dans la collection des jeux de Dreamcast, j'en ai très très peu. Et ça fait plaisir de rentrer un petit jeu Jap, c'est mon deuxième ou troisième jeu Jap seulement, donc voilà, ça rentre. Ensuite, un jeu PS1 pour ma collection Star Wars. Je l'avais fait à l'époque. Ah non, c'est pas ce que j'avais fait, je me trompe, c'est pas ce que j'avais fait. Il n'est pas complet malheureusement, il me faudra la notice. Ah si, il est complet. Excusez-moi, il est complet. Il est complet, parce que c'est mal mis derrière. Ah non, il manque... Zut, j'avais pas fait attention. Donc il faudra que je retrouve la pochette de devant. C'est quand même 10 balles. Quand même 10 balles, j'ai payé ça. Mais la boîte est en parfait état, c'est déjà... C'est ça le principal. Ensuite, c'est ce que j'ai fait. La menace fantôme. Je me rappelle l'avoir fait à l'époque sur... PlayStation 1, forcément. Celui-là est bien complet, par contre. Voilà. Avec la petite notice. Les jeunes connaissent pas ces notices, hein. Forcément, en plus, si t'achètes du démat, tu vas pas connaître tes notices, hein. Les gars, n'achetez pas du démat. Achetez du physique. C'est très important pour la culture. On est gardien de cette culture-là, de la culture du jeu vidéo. N'achetez pas du démat. Achetez du physique, s'il vous plaît. C'est très important et ça fait vivre les petits commerçants, les petits commerces. S'il vous plaît. Bon, moi, j'ai soif. Je prends une goutte de santé. Alors, toujours pour ma collection Star Wars. Voilà, un jeu DS que j'ai pas. Lego Star Wars 3 sur DS. Celui-là, par contre, il n'y a pas la notice. Donc, il faudrait que j'essaye de trouver la notice. Mais c'est pas grave, ça rentre dans la collection. Ah, petit Mario Kart DS que j'avais pas non plus. Et oui, je cherchais. Là aussi, malheureusement, pas la notice. Ah bon, on va essayer de trouver ça en brocant tout sur Internet. Ça va se trouver... J'espère pas trop difficilement. Et au passage, je cherche aussi la notice sur Mario Bros 2. Parce que j'ai pas la notice, j'ai la boîte, j'ai le jeu, mais j'ai pas la notice. Donc je cherche au passage. S'il y a quelqu'un qui revend ça parmi mes abonnés, je suis preneur. Mario Kart 7, que j'avais pas non plus pour la collection. Voilà, ça rentre dans la collection. Vous êtes un peu spoilé sur le début de collection de Nintendo que je vais présenter plus tard. Et ici, ils expliquent simplement, voilà. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, et je vois qu'ils ont mis la boîte en l'envers, comme de Balou. Encore pour Nintendo, mon jeu, oui, Pirates des Caraïbes, à 10 balles, bah, j'avais pas, c'est plus fort que moi de l'acheter, hein, avec la notice au complet, ah, je t'ai montré l'état du CD, parce que je monte toujours de voir l'état du CD maintenant, parce que hein, parfois t'achètes des choses, pas possible, voilà. J'ai jamais fait, ça m'a l'air sympa, en tout cas c'est du Lego, c'est du Nintendo, ça rentre dans la collection. Et pour finir, le dernier jeu pour moi, encore un Lego Star Wars, ah ouais. Mais spoiler un petit peu pour mes futures présentations de collection, parce que bah oui, bah ça sera une collection que je vais aussi présenter, ma collection Star Wars. J'ai pas grand chose, j'ai beaucoup moins que Dragon Ball. Je vous remercie en tout cas pour les retours de la vidéo Dragon Ball. Voilà, c'est nickel, je suis vraiment très content. Alors, le jeu le moins cher du magasin,
hors jeu de foot, hein, je vous rappelle, pas jeu de foot, pas de jeu de sport. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on va proposer? Qu'est-ce que j'ai trouvé? En attendant, moi, je bois une petite goutte. Santé! C'est ce jeu-là, je ne connais absolument pas du tout. Resistance Fall of Man, un jeu à 2€, 1,99€ pour être précis. Il est complet, avec la carte et tout. Franchement, je suis content de cet achat, mais il n'est pas pour moi. Ce sera un achat à vous faire gagner. Le jour où j'ai 1000 abonnés, je vais organiser un petit concours dont ça sera en lot. Il y aura d'autres lots à gagner aussi à ce moment-là. Pour que je passe à 1000 abonnés, il n'y a qu'une chose à faire, hein. Me soutenir, partager, parler autour de vous, partager, vous abonner, mettre les petits pouces, les petits commentaires, ça aide. À l'heure où je tourne, je suis pas loin des 900 abonnés, donc il y a espoir qu'à la fin de l'année, je suis à 1000 abonnés. Certes, c'est qu'un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et dont ça sera gagné en lot. Alors, j'étais chercher mes petites informations sur internet sur jeu parce que je connais absolument pas. Donc c'est un jeu qui est sorti en Europe le 23 mars 2007 sur PS3. Donc c'est une version PS3. Resistance Fall of Man est un jeu de tir à la première personne développé par Insomniac Games et sorti en novembre 2006 au Japon et aux États-Unis sur PlayStation 3. La version européenne est sortie le 23 mars 2007 comme d'habitude. Nous sommes à la traîne. On peut jouer en multijoueur. En ligne, si les serveurs sont encore ouverts, et à l'arrière. Alors, je regarde comme ça parce que je ne vois pas très bien. Ouais, je vais changer mes verres. Ce sera pour bientôt. Ça va coûter cher. Donc, faites des dons pour que j'achète des nouveaux verres. Pas des verres de bière, mais des verres de lunettes. Lorsque les Russes fermèrent leurs frontières. Ah, il y a déjà un problème de Russes. Déjà en 2007, il y avait déjà des problèmes de Russes. Nous redoutons qu'ils ne développent une arme d'une puissance inégalée. La vérité est bien pire que ça. Ouh là là! Sans avertissement, les chimères lancèrent leur assaut depuis l'Est et en l'espace de 2 mois, l'Europe tomba. Et tandis que les chimères pourchassaient les survivants, les derniers résistants se préparaient à combattre dans la Grande-Bretagne en ruine. Ne sous-estimez jamais l'instinct de survie de l'humanité. Donc ça implique 18 hommes. Et voilà, toutes les petites infos. Voilà pour le vidéo le moins cher de Cash Converter à Moucron. Et moi, je vous dis santé! Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Que je vais dans un autre magasin et essayer de trouver le jeu le moins cher. Et ce sera aussi encore un autre jeu à faire gagner en concours. Mais pour ça, j'attends les 1000 abonnés. Donc, faut plus attendre à partager, à parler de moi, commenter. Je répète, mais c'est important. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et salut, tchuss!